Toujours à Cologne, plusieurs centaines de femmes se sont rassemblées devant la cathédrale de la ville pour condamner la vague d'agression qui a marqué la nuit du Nouvel An. « Nous voulons nous déplacer sans problème de jour comme de nuit », ont-elles notamment scandé en sifflant, ou encore « nous exigeons le respect ». Non, c'est non. Nous n'allons pas arrêter de nous déplacer librement à Cologne. Nous sommes là pour condamner ces abus et pour que le sexisme et la violence sexuelle deviennent un sujet au sein de notre société, peu importe par qui il est traité. Je suis là pour défendre une société pacifique où tous ses habitants, femmes et hommes, peuvent se déplacer en toute sécurité et dans la joie, ce qui n'est pas arrivé au Nouvel An. Et nous devons nous mobiliser pour défendre cela. Depuis le Nouvel An, près de 200 plaintes ont été déposées, dont 2 pour viol caractérisé. Les autres sont liées à des attouchements sexuels ou à des vols. La police a identifié jusqu'ici une trentaine de suspects. Parmi eux figure une majorité de demandeurs d'asile.